De là où le propre en baisse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est ensoleillé dégagé, une température extérieure à 3 degrés, une température de l'eau à 11 degrés. Cet après-midi, du soleil, une température à 12 degrés. On est sur une marée qui est en train de finir de monter. Le plan haut est à 8h50, coefficient de 65. Et sur cette fin du montant, le vent est offshore établi est, un beau fort. Le plan d'eau est parfait. La houle est propre, longue, avec 11 secondes de période, orientée ouest. En atténuation par rapport à hier soir, là vous avez vu les séries les plus grosses, les plus espacées, plutôt rares, à 1,20 m. Sinon on a un déferlement régulier à 80 cm, et les séries qui rentrent la plupart du temps sont à 1 mètre. Voilà, et de temps à autre, il y a ces séries à 1,20 m. Alors il y a des jolies vagues, c'est très posé, très propre, très belles conditions, mais il faut trouver de bons bancs, parce que sur la Cano, les bancs sont pas terribles. Mais sur un bon banc, les vagues sont absolument parfaites ce matin. Il y a déjà des surfeurs qui se présentent à l'eau. Évolution pour le reste de la journée, la houle s'atténue, le vent va rester offshore, la boue arcachant est à la baisse à 2,08 m. On attend à 13h plus que 1 mètre sur les plus grosses séries, houle ouest, 11 secondes de période, vent est nord-est, 1 de Beaufort, et à 17h, 80 cm, peut-être encore 1 mètre sur les séries, houle ouest, 11 secondes de période, vent est nord-est, 1 de Beaufort, très belles conditions toute la journée, il y a du surf et de l'action. On vous souhaite une bonne journée, on se retrouve à 11h30 pour le prochain point. À tout à l'heure, merci.